Un chantier titanesque, démarré voici plus de 10 ans, qui rassemble plusieurs milliers d'ouvriers de différentes nationalités pour construire le projet scientifique le plus ambitieux qui soit, reproduire sur Terre l'énergie du soleil. C'est ici à Cadarache, au nord d'Aix-en-Provence, que 35 pays se sont réunis pour tenter la fusion nucléaire, une technique qui devrait à terme produire une énergie infinie, non émettrice de CO2. Le monde entier observe ce chantier particulièrement ambitieux qui évidemment présente de nombreux risques. APAV y coordonne depuis le début la sécurité. Pour son client, l'objectif est pleinement atteint puisqu'en 10 années de chantier, aucun accident mortel n'est survenu. Je pense que l'APAV a su complètement s'inscrire dans cette volonté d'être à la fois le contrôleur mais aussi le conseiller. Et je pense que la raison pour laquelle on travaille encore ensemble et en toute confiance et en bonne intelligence, c'est parce que justement cette mission a bien été comprise. L'ADN aussi de l'APAV, d'avoir cette double capacité à la fois de sanctionner mais aussi de conseiller et d'être au plus proche des entreprises et des ouvriers. Et je pense que c'est ce qui fait le succès de la mission de l'APAV et la raison pour laquelle on continue à collaborer. La mission d'APAV s'est récemment étoffée, ce qui a poussé le groupe à développer davantage de nouvelles techniques d'investigation. Nous proposons une analyse de risque basée sur un examen critique du choix des référentiels, une présélection des points sensibles et un contrôle adapté par rapport à la classification des bâtiments vis-à-vis des risques en sûreté. Au-delà du cadre réglementaire pur de la mission CSPS, c'est un contrat étendu puisque nous avons également toute la partie prévention des risques en complément de la mission réglementaire. On travaille au quotidien avec plus de 200 entreprises sur le chantier, que ce soit en français pour les entreprises françaises ou en anglais pour les entreprises étrangères. Sur ITER, nous nous y déployons depuis plus de 10 ans avec la création de l'agence Infrastructure et Construction dédiée au nucléaire, au service de nos clients ITER Organisation et F4E. Pour les accompagner dans la formidable aventure autour de la fusion. Ce chantier, le plus grand mécano du monde, présente des risques importants, notamment dus à la coactivité. Il impose des mesures de prévention et des règles de bonne conduite et de sécurité pour les 5000 personnes présentes sur le site. Le premier plasma doit être produit ici, dans un avenir proche. Ici, nous sommes au cœur du tokamak. D'ici quelques années, il sera impossible d'y pénétrer car il fera 150 millions de degrés. C'est 10 fois la température du soleil. C'est ça la fusion nucléaire.